peu de paroles, plutôt des mélodies et de temps à autre quelques chœurs, un spectacle de jazz et les notes peuvent pleuvoir allègrement. Sur scène, Luc Sigui, ivoirien et bassiste de renom, venu partager son expérience de la scène avec les mélomanes. J'essaie de retrouver les racines du jazz en Afrique, parce qu'elles sont en Afrique les racines du jazz. Ok, les modes et les sonorités que nous utilisons, pour l'instant, sont très classiques. Mais au fil des temps, vous allez vous rendre compte que, et si vous écoutez ma musique, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de revenir aux sources. Et je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, on va retrouver ce qu'était effectivement le jazza bantou. Le jeu est multiforme et coloré. Le Xigui tend bien la perche aux plus jeunes. Le jazz correspond plus ou moins à la plupart de mes idéaux. Et aux femmes aussi, les Ozwa Mams, jazz women d'un soir et un public de connaisseurs conquis. Mais pour les observateurs, il faut aller au-delà. Invité de marque, le ministre de la Culture entend rendre cette musique plus populaire. C'est une musique africaine. C'est une musique de chez nous et nous devons la récupérer, la populaire et nous comptons évidemment faire musique populaire. Un jazz plus proche d'un public plus diversifié. Luc Sigui ouvre donc la voie, le jazz, de retour donc, et les férus envisagent à multiplier les espaces d'expression pour le bonheur des amoureux de la vraie musique.